Bonjour, chers amis alsaciens. Je suis le père Raniero Cantalamessa, un capucin italien, et j'aurai l'honneur d'être parmi vous du 17 au 19 mai prochain pour vivre ensemble la Pentecôte et attendre la puissance d'anneau, l'onction de l'Esprit sur nous. Quel est le but de ces rencontres qui auront lieu en différents endroits de l'Alsacie? Bien, d'abord, certainement, c'est de raviver notre foi, ou aussi pour entendre pour la première fois la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est surtout le but de ces rencontres de réaliser une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité qui donne un sens nouveau à la vie. Vous vous rappelez certainement, je pense, des premiers mots de l'exhortation de pape François, la joie de l'Évangile. Il dit « La joie de l'Évangile remplit la vie de ceux qui rencontrent le Christ. » Et arrivé à l'âge de 83 ans, je ne peux que confirmer cette vérité que l'Évangile, c'est-à-dire la personne de Jésus, remplit vraiment la vie. C'est un message que je voudrais adresser en particulier aux jeunes, pour lesquels il y aura une rencontre particulière la veille de Pentecôte à la cathédrale de Strasbourg. Aux jeunes, je voudrais dire, chers jeunes, ne vous laissez pas tromper par la peur que rencontrer le Christ signifie renoncer à tout plaisir dans la vie, à divertissement, bien au contraire. Le Christ est votre meilleur allié dans la poursuite de vos désirs plus profonds, que je pense sont de la joie, le bonheur dans la vie et le succès. Et le Christ est votre allié, non un obstacle à cela. Le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre dit aux foules, entre autres, « Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Voilà de quoi il s'agit, spécialement pour les jeunes, avoir une vision pour le futur. Se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors, chers jeunes et mes amis alsaciens, de n'importe quel âge, venez. Venez à ces rencontres, surtout à la rencontre à la cathédrale de Strasbourg, la veille de Pentecôte. Moi, l'évêque Luc Ravel, le prêtre du diocèse, et avant tout, je suis ressuscité. Nous vous attendons. Au revoir.